ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בוקר טוב, דוק בעזרת השם. Bonjour à tous et à toutes. Bézat Hashem. Boker Tov à tous et à toutes. Bézat Hashem. Donc on a commencé hier une nouvelle série de cours sur Eretz Israël, sur le thème d'Eretz Israël, d'après les lettres du Rav Ephraim. Donc j'ai expliqué un petit peu hier qui c'était. Donc on est arrivé, il dit « Veheine bedvar shela trem odot Eretz Israël » et au sujet maintenant de la question que vous me demandez pour Eretz Israël, « Mianochi lashit etza » qui suis-je pour pouvoir donner un conseil ? Je suis qui, moi, qui puisse vous donner un conseil ?« Ki ba'ar anochi ve'ish » parce que j'ai aucune intelligence pour pouvoir vous donner un conseil. Mais a priori, quelle est la question ? Voyons d'abord quelle est la question. On sait ce que les Chachamim, nos sages, ont dit dans la Gemara, dans le Talmud de Ktubot. Godel ma'alat Eretz Israël, la grandeur de Eretz Israël. Ou bifrad Rabbeinu Zal, gila me'od ma'alat kedushat Eretz Israël. Et particulièrement Rabbi Nachman, il a beaucoup révélé la grandeur d'Eretz Israël. Veine bayamim akodmin ayaminyal et anashim asher enam bemaala lichsof nafsham likdushat Eretz Israël. À l'ancien temps, comme on dit, c'est-à-dire avant, il y avait des difficultés pour les gens qui n'étaient pas de grand niveau de décider d'avoir envie d'aller vers la Kedusha d'Eretz Israël ou la Shlich Mineged Aistachut Aguf et de jeter complètement toute la recherche des besoins du corps Kisha Maya Parnassa Bedoch Gadol, parce qu'avant en Eretz Israël la Parnassa était très difficile. Rak Anashim Yechide Segula Asher Nirsefan Gnafsham les Kedusha d'Eretz Israël, uniquement des gens qui étaient vraiment uniques, qui avait un grand désir d'habiter en Eretz Israël, de la Kedusha d'Eretz Israël. Samunafsham bekapam venasou lesham. Ils ont mis leurs mains, comme on dit, leur âme entre leurs mains, c'est-à-dire qu'ils ont été dans la Emouna, ils se sont lancés, ils ont été complètement bemesirut nefesh, c'est-à-dire un don de soi total pour aller en Eretz Israël. Même s'ils devaient pour ça vivre avec du pain, même de la difficulté à avoir du pain. Uniquement, ce qu'ils voulaient, c'est être en Eretz Israël. Et la plupart des gens qui ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Et ici, c'est-à-dire en dehors d'Eretz Israël, ils avaient de l'abondance, ils avaient de la parnassa, ils avaient tous les plaisirs que les gens peuvent avoir. Kacher ra'inu gam anachnu b'shanim akodmim, comme on a vu nous-mêmes dans les années qui sont passées. Lo nasu lesham, ils n'ont pas été habités en Eretz Israël, c'est-à-dire que c'était difficile pour eux. Aval ata kefian ishma, maintenant de nos jours, comme on a entendu, ki gam begashmiut tov meod shama, que même matériellement, c'est très bien là-bas. U bekan amatsav parnasa u bedocha gadol meod, et ici, en dehors d'Eretz Israël, au contraire, on voit qu'il y a des difficultés, des grandes difficultés de parnasa. Al ken mishesh lo yecholet linso alesham. C'est pour ça que celui qui a la possibilité de voyager là-bas, c'est-à-dire d'aller en Eretz Israël, D'où où elle est la question, c'est-à-dire pourquoi il va s'empêcher d'aller en Eretz Israël. Alors ce qu'il dit ici, Rabbi Ephraim, d'abord on voit l'humilité des Breslevers,
que cet homme-là, c'était un gaon, un érudit en Torah. Il connaissait toute la Torah entière, tous les secrets de la Torah, tout. C'était un gaon. Lui-même, c'était un rabbi, un admour. Il était un maître, il avait des élèves. Et cet homme-là, on lui pose la question, apparemment, des gens, des élèves à lui, lui demandent est-ce qu'ils doivent monter en Eretz Israël ou pas. Alors, il leur dit qui je suis, moi, pour répondre à des questions. Après, il dit avant de répondre à la question, voyons voir la question elle-même, quelle est la question ? Avant, quand c'était d'aller en Eretz Israël, ça demandait de donner sa vie, c'est-à-dire que les gens qui partaient, ils partaient avec déjà la certitude, pratiquement, qu'ils allaient manger du pain, d'avoir des difficultés à avoir du pain à manger. Alors qu'en dehors d'Eretz Israël, ils avaient tous les plaisirs, le bien-être, et ils avaient tout ce qu'il fallait. Donc ces gens-là, peut-être c'est une question pour eux d'aller en Eretz Israël. Il dit, mais maintenant, d'après ce qu'on a entendu, maintenant ce qu'il dit ici, c'est avant la Deuxième Guerre mondiale, de quoi il parle ici. Il parle de lui, de son époque à lui, c'est-à-dire qu'il dit que matériellement c'est bien en Eretz Israël, ça parle déjà d'il y a très longtemps. Alors lui dit maintenant, quelle est la question ? En Eretz Israël, Baruch Hashem, il y a de la parnassa, les gens y vivent bien. Et en plus, en dehors d'Eretz Israël, ça commence à être très difficile, la parnassa. Donc il dit, où est la question ? C'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle une personne ne va pas monter en Eretz Israël ? Il dit, je ne comprends pas la question, où est-ce qu'elle est ? C'est-à-dire, quelle est la question ? Alors voyez comment il a l'approche de la chose. D'abord il dit moi je peux pas vous répondre à une question. Qui je suis moi pour répondre à une question? Après il dit attendez, voyons voir. Est-ce que c'est une question? Il dit c'est même pas une question parce que la question qu'il y avait avant, ça veut dire laisser le bien-être, laisser la vie disons normale, bien dans l'abondance, pour aller vivre en mangeant du pain. De déjà difficilement avoir une tranche de pain. Alors là il y a une question. Mais il dit, mais aujourd'hui, il n'y a pas de question. Quelle est la question ? Et en Eretz Israël, les gens y vivent bien, etc. Alors lui, il parle de ce que nous, on appelle l'époque où il est monté, c'est l'époque qui était avant ce qu'ils appellent les Mahabarot, les cabanes qu'il y avait en Eretz Israël, etc. C'était l'époque très difficile en Eretz Israël. Par rapport à nous, quand on parle de son époque à lui, on parle de l'époque très très difficile. Et lui, il dit que c'est très facile matériellement, à son époque à lui déjà. Alors à plus forte raison, nous, de qu'est-ce qu'on a à dire ? Donc voilà, ce qu'il dit ici, il dit quelle est la question ? Et il amène, il dit il n'y a pas de question. La fin, c'est ce qu'il dit. Je ne vois pas où est la question. Il dit, qu'est-ce qui va te manquer ? Il dit, il y a de la parnassa, tout le monde mange bien, etc. Alors, quelle est la question ? Dis-moi, quelle est la question ? Vous voyez, il ne répond pas à la question, mais il montre qu'il n'y a pas de question. Alors, il dit, il continue Rav Ephraim, « Ki yesh makom lomar al hanosim lesham, sheya lesham mitzvat » On peut dire que ceux qui voyageaient, qui allaient en Eretz Israël pour vivre, ils voulaient accomplir la mitzvah d'habiter en Eretz sur la Terre Sainte. Mais leur intention, c'était pas pour avoir une meilleure parnassa, pour vivre mieux. C'est pas pour ça que les gens ils allaient en Eretz Israël. C'est pas leur intention. Im kol ze nechze anan im otan anashim im hayu yodim shebeminat ha'amerika etov lahem ben parnassa. Mitan resout le kanes lesham. Im kol ze anashim ha'chassidim vadal lo hayu merutzim lenso lesham. Et disons que maintenant, si on savait qu'en Amérique, par exemple, que les gens y vivent bien, il y a une bonne parnassa, et que c'est une possibilité, c'est-à-dire qu'on a le droit d'habiter en Amérique et de travailler. C'est sûr que les gens qui sont des chassidim, ils ne vont pas vouloir aller habiter en Amérique.
והיו מגלגילים עם עצם עוד בדוחק וצער להתעכב בכאן. Et ils auraient continué à vivre difficilement ici, velo l'inso à la Médinat America, et ne pas aller voyager en Amérique. Verak l'ikwa andirato beretzak dosha la zinir sefan afsham. Uniquement de fixer leur demeure en Eretz Israël, c'est uniquement ça qu'ils désiraient. Alors, ce qu'il dit ici, Rav Ephraim, il dit comme ça. Il dit maintenant, voilà, les gens disant que les gens, ils habitent en Ukraine et c'est pas facile pour eux. Et on leur dit, voilà, qu'en Amérique, que s'ils vont en Amérique, avoir une bonne parnassa, etc. Il dit que maintenant, ces gens-là, qui sont des chassidim, des gens qui cherchent à servir Hachem, ils vont pas aller habiter en Amérique pour la parnassa. Ils préfèrent rester dans le pays où ils sont. Où il y a de l'étude de Torah, il parle ici de l'Amérique avant qu'il y ait tout le développement qu'il y avait. Alors maintenant, il dit, maintenant, que maintenant, ces gens-là, ils ne vont pas aller habiter en Amérique. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils cherchent la Kedusha, ils ne cherchent pas autre chose. Mais eux, si maintenant vous leur dites d'aller habiter en Eretz Israël, alors ça, oui. Ça, ils ont envie d'habiter en Eretz Israël. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il veut expliquer, c'est que ce n'est pas les gens qui changeaient de pays, c'est pas leur intention, ce n'était pas la parnassa. C'est-à-dire que les gens, si déjà ils changent, c'est pour une évolution spirituelle, ce n'est pas pour de la parnassa. Pour de la parnassa, là où ils sont, ils s'arrangent, ils ont parnassa. Mais déjà, c'est un changement. Et ils vont aller dans un autre pays. C'est uniquement d'aller en Eretz Israël. C'est la seule chose qui les intéresse. C'est pas autre chose. Alors il dit que voilà que maintenant là où on est, chacun il est là où il est. Déjà s'il change d'endroit, alors c'est sûr que c'est en Eretz Israël qu'il faut aller. Il va pas aller encore dans un autre pays, dans l'exil. Même si maintenant là-bas on lui dit qu'il va avoir une meilleure parnassa et tout, c'est pas ça qui doit l'intéresser. Lui, il doit chercher dans quel endroit il va s'élever spirituellement. Et le seul endroit qu'il y a pour s'élever spirituellement, dans des conditions correctes, c'est Eretz Israël. Mais on sait qu'il faut aussi de la parnassa. Quelqu'un maintenant, il veut aller en Eretz Israël. C'est bien, mais il faut une parnassa. Qu'est-ce qu'il va faire en Eretz Israël? De quoi il va vivre? Que ma'amaratana, imen kemach. Un Torah, comme c'est écrit dans le Pirkei Avot, que s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de Torah. Si quelqu'un n'a pas de quoi manger, avec quoi il va étudier la Torah? Avec quoi il va faire la Torah? Veine Akadosh Baruch Hu, Tiach l'Avraham Avinu. On voit que Akadosh Baruch Hu, il a promis à Avraham Avinu. C'est une promesse qu'il lui a faite dans Bereshit. Lech lecha me'artzecha. Va pour toi. Quitte ta terre, quitte la terre dans laquelle tu habites, Elers El Haaretz, vers la terre d'Israël, Ve'avarchecha Bemamon, et je vais te bénir avec de l'argent. Même de l'argent, Kadosh Baruch Hu lui a promis quand il allait monter en Eretz Israël. Im kolze nechav le nisayon kadua. Malgré ça, c'était quand même une épreuve. C'est-à-dire que, même regardez, Abraham Avinu, qu'il avait une garantie d'Hachem, que c'est Hachem qui lui a dit. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui a... Maintenant, quelqu'un, il habite là où il habite, il doit prendre la décision tout seul, ou c'est le rabbin du quartier, ou un rave qui va lui dire. Ici, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à Avraham Avinu. Il lui dit, quitte ta terre, quitte l'endroit où tu habites, et va vers Eretz Israël, et je te bénirai avec de l'argent, je donnerai parnassa. Et malgré ça, c'est resté quand même une épreuve. Ça reste une épreuve. Même comme ça, ça reste une épreuve. Ça veut dire que maintenant, l'épreuve, elle est au-delà de ce qui semble être l'alibi, si vous voulez, pour lequel la personne ne monte pas en Eretz Israël. Parce qu'en général, l'alibi, en général, c'est le problème de la parnassa. Mais vous voyez qu'Avraham Avinu, même qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, je vais te donner de la parnassa en Eretz Israël. Je vais te bénir avec l'argent. Maintenant, c'est une garantie d'Hachem, il n'y a pas une plus grande garantie que ça. Et malgré ça, c'était quand même une épreuve de s'installer en Eretz Israël. Donc on voit que
que la véritable épreuve, ce n'est pas au niveau de l'argent. Parce que si c'était au niveau de l'argent, alors voilà, Avraham Avinu, Hachem, il lui a dit, je vais te donner de l'argent. Alors ça y est, il va en Eretz Israël tranquillement. On voit que tout ce que les gens ils disent, la parnassa, etc., ça c'est un alibi pour ne pas aller. Mais le problème, il est à un autre niveau. Il n'est pas à ce niveau-là. Veine pele gamken otan shenam geide chassidim li bamboer l'Eretz Israël. Il dit, il y a quelque chose d'extraordinaire, que même des gens qui ne sont pas des chassidim, leur cœur, il brûle pour être Israël. Ils ont envie d'aller en Eretz Israël. Même si maintenant là-bas, ils doivent manger du pain en difficulté. Même si, c'est-à-dire, ils y vont. Même si des gens qui ne sont pas des grands chassidim, des gens simples, ils disent, allez, on va en Eretz Israël. Ça ne fait rien, on va vivre difficilement, mais au moins, on est en Eretz Israël. Ils disent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mahmat ribat Eretz Akdosha. Pourquoi ? Parce que c'est l'amour de la Terre Sainte. Ils y vont, c'est de la passion. C'est parce que les gens, ils sont passionnés d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'ils y vont. Veniyesh lomar d'ave niflaot tamim deim idbarach shmo. Et on peut dire que ça fait partie des merveilles d'Akadosh Baruch Hu qu'il a fait dans le monde. Ya'an ki Eretz Israël ou prinat emuna. Comme la terre d'Israël, c'est le principe de la foi, de la emuna. Qui devrait Rabbi Nuzal, comme il dit le Rebbe, comme il dit Rabbi Nachman, Veyadoua, qui chochev marchavot, bilti idach menon idach, et que Akadosh Baruch Hu, il pense à des pensées, c'est-à-dire qu'il cherche comment faire qu'il n'y a personne qui soit exclu, comment faire pour inclure tout le monde. Et Iratson, shizku kulam, le tchouva shlema, et Iratson, que tout le monde ait le mérite. Que ce soit la volonté d'Hachem, que tout le monde ait le mérite de faire tchouva. Donc il dit ici, Rav Ephraim, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, que maintenant, comment des gens simples, qui ne sont pas des gens de niveau spirituel élevé, des gens très simples, ils sont d'accord de monter en Eretz Israël, même dans une difficulté de Parnassa, même prendre sur eux la difficulté de Parnassa. Mais comment c'est quelque chose une chose comme ça, c'est une merveille d'Hachem. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de logique. Comment quelqu'un il laisse une vie dans cette vie-là, il a de l'aisance, etc., pour aller vivre plus difficilement en Eretz Israël. Et dit tout ça, ça vient uniquement du fait que il y a un amour de la terre, il y a une passion pour la terre d'Israël. Et comme maintenant la terre d'Israël, c'est la Emouna. C'est-à-dire la terre d'Israël, elle représente la Emouna, comme Rabbi nous dit, et que maintenant, Kadosh Baruch Hu, il est en train de penser comment faire pour que tout le monde fasse tchouva. Alors Hachem, il a donné cette passion-là pour la terre d'Israël, parce que Béhémet, Kadosh Baruch Hu, il veut que chacun d'entre nous fasse tchouva. Et donc, il a ouvert cette passion-là pour la terre d'Israël. Mais ce n'est pas quelque chose qui est logique. Ça fait partie de la miséricorde d'Hachem qu'il a mis dans le monde pour que les gens puissent faire tchouva. Parce que quand quelqu'un y va en Eretz Israël, c'est sûr que son niveau d'engagement dans la Avodat Hachem, dans le service divin, il va augmenter. Donc il dit que tout ce rapport avec la terre d'Israël, il y a la passion de monter en Israël, l'amour de la terre d'Israël, c'est un des vêtements cachés de la miséricorde d'Hachem pour permettre aux gens de faire tchouva. Donc Hachem, il a mis cette terre, qui est une terre extraordinaire, qui est une terre de la Emouna, c'est-à-dire c'est une terre où on voit Hachem de façon beaucoup plus évidente, puisque c'est une terre sur laquelle il y a une grande Ashgacha Pratit, on voit beaucoup de providence. Hachem, il a fait tout ça pour que personne ne soit exclu. C'est-à-dire que c'est une des cartes d'Hachem pour permettre aux gens de faire tchouva. Voilà, Bezrat Hachem. Bonne journée à tous et à toutes. Et Bezrat Hachem, voilà, on continue. Que Hakadosh Baruch Hu nous donne le sroud, qu'on puisse continuer voilà, cette étude-là de sur Eretz Israël. D'après le Rav Ephraim, on va essayer, Bezrat Hachem, de continuer et de faire tout ce qu'il a écrit sur Eretz Israël, qui sont des choses vraiment extraordinaires.
Alors, à bientôt, Bézant Hachem.